Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Alors, on va prendre la direction de Presse Océan pour parler de bruit. Oui, c'est en une de Presse Océan. Aujourd'hui, on s'intéresse aux nuisances sonores du périphérique nantais. Alors que la métropole s'apprête à voter un plan de prévention du bruit, eh bien Presse Océan nous propose donc un dossier, une double page hein, sur le ras-le-bol des habitants face au bruit. Il serait un peu plus de 20 000 habitants dans la métropole nantaise concernés hein, par différentes nuisances sonores. Donc la principale, celle du périphérique nantais. Mais il y a aussi les bruits aériens, les bruits du tramway ou du tram-train notamment. Alors il faut savoir que le plan de prévention du bruit que la métropole votera bien pour objectif par exemple de mieux isoler les routes avec des murs anti-bruit hein, pour que de fait les maisons soient moins embêtées. Il y a aussi des travaux qui peuvent être faits dans certaines maisons ou alors de penser hein, carrément dès le départ à des contournements pour éviter que les bruits soient au plus près des habitations. Il y a des associations aussi hein, qui se sont créées parce que le bruit à répétition peut avoir des conséquences aussi sur la santé. Direction l'hebdo de Sèvres-et-Maine, pardon. Oui, avec un dossier sur la pratique de la boule nantaise. Alors, c'est un sport qui s'apparente un petit peu à la pétanque, mais attention, ce n'est pas du tout pareil, puisque la boule nantaise, eh bien, le sol est incurvé, la boule est un petit peu plus grosse. Alors voilà, dans cette double page, on a plusieurs entrées. On apprend d'abord eh bien, que depuis 2011, il y a un dossier qui est déposé pour que ce sport soit reconnu par l'UNESCO hein, comme patrimoine immatériel. On apprend aussi l'origine de la boule nantaise. En fait, c'est au fond des gabarres qui descendaient la Loire à vide après avoir vidé leur sable. Et bien que les salariés qui s'ennuyaient à bord ont inventé ce jeu. Il y a aussi plusieurs portraits de joueurs. Et puis, on apprend qu'à Saint-Julien-de-Concelles, par exemple, il y a une variante avec un fond qui n'est pas incurvé, c'est un terrain plat, une boule un petit peu différente. Voilà pour cet article de l'hebdo de Sèvres-et-Maine. J'enchaîne avec un autre article de l'hebdomadaire. Cette fois-ci sur les ponts de Thoiré, puisqu'ils vont fermer prochainement à partir du 27 février. Alors, ben, la question, c'est comment fait-on quand c'est fermé? Donc, il y aura deux déviations, pont de Bellevue à l'ouest ou pont de Mauve à l'est. On apprend aussi que les lignes de car lila vont être renforcées et davantage d'aires de covoiturage de places seront mises à disposition. Je termine rapidement avec un article dans le journal Ouest-France sur un reportage, le théâtre du Point Rouge, qui a plus de 100 ans. Ça se passe sur la nouvelle commune de Divette-sur-Loire. Et donc, on apprend par exemple que jusqu'en 1948, les femmes et les hommes n'avaient pas le droit de jouer ensemble. Merci Anne.